Mets ton pied en dessous pour bloquer le deck, non? Alors? Génial. Ah! Faut mettre la tête dedans. Hop là, accident. Il se fait doubler par une gamine avec une frappe de merde. La classe. Il est beau, hein. Oh, la classe. C'est du grand Jeff, ça. Ça, c'est le Jeff qu'on... Le grand Mendes. Ça, c'est le grand Mendes. Jeff qu'on a connu, ça. Et ça, c'est du grand Mendes. Oh, il va la casser. Alors, je précise que évidemment, on a fait privatiser la rue. À moi. Faut pas réitérer ce genre de cascade. Parce que... Hop, privatisé. Et voilà. Oula. Paf. Oh, Julio Gien. Ah, caray, faut des. Bon, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo unboxing. Enfin, unboxing, comme vous pouvez le voir, elle est déjà déballée. Sur un tout nouveau modèle de chez Whippet qu'on a reçu en exclusivité. Donc, une première européenne. Exclusivité Fast Ride. La Whippet Fold. Ouais. Mais avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à rejoindre les groupes Facebook qu'il y a dans la description. Ils sont classés par marque. C'est toujours plus sympa d'échanger avec des membres qu'on la même trottinette, et aussi les boutiques partenaires dans la description. On partage et le pouce bleu. Alors, sur ce Whippet Fold, on va faire comme d'habitude. On va vous la comparer à des modèles équivalents. T'as quoi? T'as DT3, Curus. Curus, DT3, Spider, une belle Spider. Bon, il y a une petite Mantis là aussi. Mantis, 0-10X, elle n'est pas... Elle est déjà partie. Ouais. On va voir, on va essayer de vous comparer à certains modèles et puis on va vous faire le tour de la trotte comme d'habitude, de haut en bas, et on va ouvrir le deck. Ce qu'il faut préciser, c'est que c'est un sample, donc un modèle d'essai. Oui, c'est un sample abouti. Abouti, ouais, voilà. C'est avec, donc qui a été envoyé sans batterie par avion. Donc la batterie arrivera plus tard. Du coup, on a mis une batterie accessoire de test pour pouvoir faire la mise en route. Donc en gros, on n'a pas les capacités qu'elle aura réellement en décharge effectivement, lors de nos essais. C'est une batterie 60 volts basique, très peu d'ampérage avec des cellules forcément très bonnes, mais voilà, c'est une batterie test. Voilà, la base, c'est la batterie test. Normalement, c'est une 60 volts 30 ampères avec des cellules 21-700. Ouais. Ouais, nouvelle génération. Voilà. Et cette trottinette, elle est 3000, combien? Elle est à 3190 euros. En noir. En noir. Noir et... Et or. Noir et or, ça dépend. Je mettrai des photos là dans la vidéo pour que vous puissiez bien vous rendre compte. Donc il y aura full black ou alors noir et avec quelques points or devant et derrière, si je me souviens bien. C'est ça. Donc je vous rappelle, parce que j'ai aussi beaucoup de cette question sur les groupes Facebook, donc sur le groupe Whippet, je parle des SS. Donc on me demande à chaque fois, les gens sont perdus, RR, SSR, SST, SSF. Donc le modèle RR, c'était le tout premier modèle, l'un des tout premiers gros modèles chez Whippet, avec courroie, c'était pas des moteurs brushless. La RR, ouais. Ouais, la RR. Mm-hmm. Après, il y a eu la SSR, donc 10 000 watts. Avec des moteurs brushless, dans les roues. Hein. Dans les roues. Après, SST, 30 000 watts. C'est ça. Et puis après, il y a la SSF, environ 50 000 watts, mais je crois que tu as encore gonflé un peu plus. Oui, on verra ça sur une prochaine vidéo. Voilà, c'est ça. Surtout comme vous pouvez le voir avec un tout nouveau modèle d'amortisseur. Donc je vous montrerai peut-être ça en fin de vidéo. On la déplie? Oui, c'est parti. Donc voilà,
toujours WebPen. Hop, on appuie. C'est super simple. Donc en soulevant, vous allez pouvoir vous rendre compte. On a soulevé un tout petit peu. Donc vous pouvez apercevoir deux trous. Donc le premier trou, c'est quand le modèle est replié et qu'il y a la roue qui est déjà fixée sur le deck. Le deuxième trou plus bas, c'est si on veut replier le deck, replier la colonne sans la roue. Sans la roue. D'ailleurs, on va le faire. Comme ça, ça va vous permettre aussi de voir comment fonctionne la roue. Donc, elle se pose sur le deck. Ça ne sert pas de sécurité. On le met ou on ne le met pas. Ensuite, on lève l'arrière. Quand ça vient embuté, vous ne verrez pas parce que c'est de l'autre côté que se met la goupille, mais on insère la goupille dans le trou. On va vous montrer ça en détail après tout à l'heure. Et voilà, c'est posé. Et à ce moment-là, on rabat. Après, on rabat la colonne. Donc, idéalement, ça c'est le premier trou lorsque la roue est relevée. Et voilà, le deuxième trou permet de baisser, ça fait un petit gain de place supplémentaire si vraiment. Voilà, après, ça ne fait pas une grosse différence. Ouais, c'est plus bas. Voilà. De toute façon. Voilà. Bon, comme d'habitude, on va commencer par le guidon. Bon, le guidon, on le connaît tous. C'est un guidon XTZ rebadgé WePed. Le LCD, donc c'est les anciens LCD qu'on connaît de chez Mini Motors. Donc, je vous ferai une vidéo paramètres LCD sur ce fameux LCD. Bon, les poignées, c'est les poignées standards. On voit les leviers de frein. Je vais mettre la mise au point avec le petit contacteur électrique. Un câble. Donc alors je vais vous montrer la procédure pour la démarrer ce WePed, parce que c'est assez particulier. Donc c'est la procédure d'origine pour démarrer ce trotte. On peut changer ça, améliorer ça après. Donc là, impossible de la démarrer. Vous avez beau appuyer là-dessus, ça ne marche pas. On la rend mince alors. Retour SAV. Et ben non, en fait, il y a un petit bouton là, coupe-circuit, qu'il faut enclencher. Et après, vous allez pouvoir allumer votre trottinette. Pareil, le bouton à côté, pour les LED. C'est pour l'éclairage des LED. Donc, voilà, si on appuie sur le bouton jaune en conduisant, ça éteint la trotte. Alors, ça, c'est pas forcément une très bonne chose. Non. Voilà. L'avantage, c'est que... On peut brancher un coupe-circuit. Ouais, un coupe-circuit. On peut brancher un contacteur à clé. Alors c'est vrai que c'est un peu dommage de l'avoir livré tel quel. C'est vrai que c'est un peu. Voilà, bon, c'est aussi le problème du pliage. Ça limite un peu les options. Donc, on va descendre. Je vous ai fait le guidon. Donc voilà, comme d'habitude, je ne sais pas ce que vous pouvez en dire. C'est magnifique. Ça reste. On voit bien l'ADN WePed. Ouais. C'est des. Voilà, elle est fabriquée comme la SS hein, avec des matériaux. Taillé dans la masse, c'est CNC. C'est du CNC, c'est de la visserie inox. On l'a déjà assez dit sur les SS. Je pense qu'on va pas épiloguer. C'est fait pareil. C'est fait exactement pareil. On voit très bien que ça va tenir dans le temps. On voit, voilà. En fait, le petit WePed, non. C'est pas un autocollant, hein. C'est bien gravé. Donc, contrairement au SS, comme vous pouvez le voir, l'amortisseur n'est pas là, mais au niveau de l'axe de la roue. Alors ça, c'est... Tu peux retirer la béquille et sauter dessus pour qu'on puisse voir un peu. C'est pas mal ce système. Hein. Ouais, qu'est-ce que t'en penses? En fait, on a vraiment une suspension entre le guidon et la roue, en réalité. C'est la fourche qui est suspendue et pas le deck. Donc, c'est une trottinette qui sera moins ferme, en tout cas dans les avant-bras, à piloter. Pas mal, belle innovation. Alors moi, lors de la conduite, ce que j'ai ressenti, c'est qu'elle est ultra confortable. Quoi. C'est ça. Alors surtout, non seulement elle est confortable, mais c'est une trottinette pour un petit gabarit de trotte assez léger. C'est une trottinette qui ne guidonne pas du tout, mais pas du tout. C'est-à-dire à 60, il ne se passe rien, ça ne bouge pas. On ne tremble pas. C'est génial. Quoi. Ouais, franchement, c'est top. Ouais, pour ça, il n'y a rien à dire. Les pneus qui sont très à la mode en ce moment, en fait, c'est des 10 par 3. Qu'on retrouve sur des RX 2000, sur des Kabou Mantis, qui sont montables sur des Kabou Mantis, montables sur des 010X. C'est des pneus de la Curus NF10 aussi, donc très bons pneus. Donc c'est des demi-jantes. Demi-jantes, ouais. Donc à chambre à air, c'est ouais. Ça. Frein à tambour à l'avant, à l'arrière aussi. Et à l'arrière aussi, ouais. Alors ces deux petites vis là, qu'il y a de chaque côté, on peut tourner de l'autre côté.
C'est les vis. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a quelques vidéos, j'ai essayé de trouver, à mettre une photo. C'est les options. Ouais. C'est des options, c'est une poignée qui se fixe et qui se met là. Donc il y a le petit garde-boue. Bien sûr. En véritable carbone. Carbone plastique. Carbone plastique, toujours. Hein. Bon, bah voilà. Donc la prise de charge qu'on connaît tous. Là, tu peux, je ne sais pas où il est, le chargeur. On va trouver le chargeur. On va le ramener. Tiens, pendant qu'il cherche le chargeur, on va revenir un peu sur l'arrière, là. Ouais. Donc, pour ceux qui avaient déjà posé des questions sur l'articulation... Il y en a certains qui avaient quelques doutes sur ça. Ouais. Il y avait certaines personnes qui pensaient qu'il y aurait du jeu. Mmh. On a roulé avec. Alors, effectivement, c'est une goupille. C'est très bien fait. Il n'y a pas de bruit. Une fois que c'est posé, ça ne bouge pas. Donc, voilà. Pour ceux qui ont... l'incertitude sur le sujet, bon, voilà, il n'y a pas de problème. Tant que la roue elle touche pas, c'est que t'es un lâche. Voilà. Donc ça c'est le chargeur qui est livré avec. Hop. Alors ils fournissent directement à 67 volts en 6,5 ampères. Ouais, 6,5. C'est un petit chargeur chez Weppel. Ils ont l'habitude de chercher avec des gros ampérages. Donc ils sont équipés de GX16, donc très connu, qui équipe quasiment toutes les trottes. Mmh. Et donc avec le fameux embout de chez Weped. Qui est vendu avec le chargeur. Hein. Qui est vendu avec le chargeur, ça. Fourni avec le chargeur. Fourni avec le chargeur. Voilà, tout simplement. Bon, l'avantage, c'est que si vous avez juste votre prise, vous pouvez aussi utiliser un chargeur voilà, qui n'est pas spécifiquement le Weped. Est-ce qu'on peut le mettre Non, on ne va pas le mettre, mais voilà, c'est juste pour voir le système d'accroche. Alors je vous rappelle, on a souvent ces cas-là... Ouais, ça serait bien de faire un petit rappel. Je vais faire un petit rappel. Donc, pour brancher, charger votre trottinette, on branche toujours donc, le câble qui va à la prise murale. Et seulement une fois que votre chargeur est allumé, donc là, branché et allumé. Donc, il faut qu'il soit branché et que l'interrupteur, donc là, il n'y a pas d'interrupteur, mais soit bien sûr, en fonction. Enfin, que le voyant soit allumé, en tout cas. Le voyant soit allumé. Et seulement après, vous branchez votre connecteur de charge. Si vous ne faites pas ça... Si vous branchez d'abord ce connecteur de charge avant la prise murale, ça va créer un arc électrique et que ça risque d'allumer les petits tétons là. Donc les seules trottinettes que je connais à l'heure d'aujourd'hui où il n'y a pas ce problème, c'est les Speedtrot RX parce qu'ils ont mis des petites diodes. Donc voilà. Pareil, je voulais, après on va retourner sur la fold, rebondir aussi sur les chargeurs rapides. 6,5 ampères, ce n'est pas forcément un chargeur rapide. Vous pouvez charger avec des chargeurs dits rapides. Sur toutes les Weped, il n'y a aucun souci, tout est prévu pour. Sur toutes les Dualtron, c'est prévu pour. Par contre, effectivement, il y a certaines trottes comme les Zero, comme Mantis, les Yabou, ouais. Comme les Speed Trot, où il ne faut pas dépasser 5 ampères parce que le câblage et les fusibles ne sont pas prévus pour et il y a les fusibles et les câbles qui fondent. Sur les Weped, sur les Dualtron, je dirais 10 ampères. 10 ampères, mais on est bien, voilà, c'est le maximum. En toute sécurité. Les Weped SS, par exemple, sont en des tailles de fil et des sections de fil pour la charge aussi grosses que leur décharge. C'est ça. Donc du coup, en fait, c'est voilà, ça plus les cellules. Bon, nous, on charge nos Weped avec du 20 ampères, là, actuellement. Ouais. Bon, voilà, c'est 20 ampères, Ça charge vite. Ça charge très vite. C'est super. C'est génial. Alors déjà, déjà que Weped ont des batteries qui sont réputées pour avoir des très grosses autonomies. Regarde, par exemple, cette Fold, elle est toute petite. C'est une 60 volts, 30 ampères. 30 ampères, ouais. La SS, c'est du 45 ampères. Sur leur dérive, c'est génial. Et en plus, ils nous mettent des chargeurs qui chargent en une demi-heure. Quoi. C'est ça. Allez, on retourne sur cette Fold. Alors, on en était au chargeur. Tiens, tu peux me retirer le chargeur. Je vais vous parler un petit peu de tout ce qui est étanchéité avant d'aller plus loin. Comme vous pouvez le voir, il y a toujours les petits câbles qui sont super bien. Allez, l'eau ne risque pas de rentrer. On s'est rendu compte qu'il y avait... Je vais essayer de filmer. Je sais pas si tu vas le voir. Ouais, ouais. En fait, on a du joint. Bah ouais, là, on le voit bien. On l'a laissé joint silicone tout partout. Donc le câble, ça c'est le câble effectivement de frein arrière, pour le tambour qui ne rentre pas dans le deck. Je suppose que c'est suite pour un souci d'étanchéité. Et puis il y a la partie d'étanchéité, peut-être aussi un souci de pliage. Donc on a fait la partie avant, on va aller sur la partie arrière, donc frein à tambour. Il n'y a pas d'inscription sur les moteurs en fait. Oui, non.
Donc là, pas de trappe latérale, hein, comme sur les SS. Ouais. Non, là, il n'y a rien du tout. Donc, rien. Voilà, donc vraiment aucun souci en plus d'infiltration de ce côté. Donc là, passage de câble. On va regarder par en dessous tout à l'heure. Bon, il n'y a rien d'extraordinaire. Hein. Le petit câble pour les LED à l'arrière. Donc ça, à mon avis, il y a juste là à dévisser pour pouvoir changer la LED si ça crame. Bon, ok. Donc là, ce qu'on va faire, on va pas vous la démonter entièrement, on va vous faire le maximum. On va juste ouvrir le deck et cette petite partie-là pour pouvoir voir les suspensions qui se cachent juste derrière. D'ailleurs, je vais vous remonter. Tiens, tu peux me replier un petit peu la trotte avant ? Tu peux y aller ? Ouais, vas-y. Vas-y, soulève. Donc, comme ce qu'il dit, regarde Cyril, là pour les caoutchoucs, là. Donc, les caoutchoucs viennent bien servir de petit tampon. Alors, on voit bien les deux suspensions. Oui, les deux amortisseurs arrière, hein, qui sont bien cachés des projections d'eau et tout, c'est pas mal. Ah oui, parce qu'en fait, en dessous, c'est très bien. C'est carrément dans un protégé. Ouais, c'est ça, la question. Et en fait, si on regarde, je ne sais pas si on voit sur la vidéo, mais tu vois la plaque de renfort là, pour le train arrière, en fait, elle ne joint pas volontairement le bas du deck. Tu penses que c'est fait exprès ? Ah oui, c'est fait exprès. Ça permet à l'eau qui va rentrer ici, parce que fatalement, il y aura de l'eau dans les amortisseurs, ça va permettre de s'écouler par là, et pas de rester là dans le petit caisson d'amortisseur. Non, ça c'est bien sûr que c'est fait exprès, c'est évident. T'as vu, il y a une petite prise, je pense que c'est pour l'éclairage des roues à venir. Ils ont déjà tout prévu. Oui, je crois qu'il était prévu un calepier arrière lumineux. Calepier lumineux, c'est ça. Donc c'est la petite prise pour le brancher, effectivement. C'est du SM, une prise SM classique. Ouais, là. Ouais, c'est propre au EPED, on avait vu ça déjà sur les SS, c'est de la butée à roulement en fait. Hein. Donc il n'y a aucun jeu possible là-dessus. Même si on regarde les bagues dans lesquelles viennent la butée, là, ce sont des bagues bronze auto-lubrifiées. C'est de la super qualité. Hein. Alors, voilà. Il y a un peu d'usure sur ces bagues-là. Alors, c'est du bronze, donc fatalement, avec le temps. Il y aura probablement un phénomène d'ovalisation qui va se créer un petit peu, plus ou moins important, on verra, après la contrainte n'est pas énorme. Mais bon, après voilà, ce sont des bagues emmanchées, donc il suffit de changer la bague, insérer une autre bague et le tour est joué. Ça fait l'usure qui va se trouver, c'est tout à fait réparable sans aucune complication. Ils en ont mis partout. Partout où il y aura de la contrainte sur l'axe de verrouillage, c'est monté sur des bagues, de façon à pouvoir les remplacer si besoin. Donc attention au câble. Voilà, donc effectivement, le câble de frein est monté avec des risements sur le deck. Donc voilà, quand on enlève le deck, on fait attention de ne pas tirer trop sur le câble, on pose délicatement à côté. Voilà, alors qu'est-ce qu'on trouve ? Déjà, moi ce que je vois, c'est... Ah, voilà, donc tout est jointé au silicone, on peut le voir. Donc ça fait un bac complètement étanche. Voilà. L'eau ne pénétrera pas à l'intérieur du deck, en tout cas par en dessous. Voilà. Alors une fois de plus, hein, comme sur les SS qu'on avait déjà repéré, il n'y a pas de joint sur le couvercle du deck. Et pour cause, hein, comme c'est quelque chose qu'on est amené quand même à démonter de temps en temps. Bon, il n'y en a pas. Ça fait partie du... De la plaque du haut. Bah, du coffrage, en fait. Exactement. Donc, quelque chose qu'on ne démonte pas. Donc, tout ce qu'on ne démonte pas, c'est jointé, c'est étanche. Ouais. Le deck n'est pas jointé. Libre à chacun, après, de poser un petit joint silicone. Ils n'ont vraiment que cette partie-là. Oui, que ça. Voilà, la partie qu'on est amené à démonter, ne serait-ce que pour jouer avec les, on le verra après, mais les contrôleurs de LED, voilà, une fois qu'on a fait tout le réglage qu'on veut, si on veut plus y toucher, on colle terminé et puis il n'y a plus de problème d'étanchéité, zéro problème. Donc voilà. Ça c'est les câbles moteurs. Ouais. Avec les capteurs hall, hein, on les voit là. Voilà. D'accord. Ça va nous donner un petit peu de vitesse de pointe supplémentaire, d'où peut-être, je sais pas si vous avez déjà vu les tests ou pas, mais on a des vitesses assez intéressantes avec cette trotte. Sur terrain privé, bien sûr. Ouais, moi sur terrain privé, j'ai fait un bon 70. C'est ça. J'étais très très surpris et j'ai dû freiner, donc je pense qu'elle aurait pu aller plus haut. Alors, on a parlé des prises XT90. Voilà, on a
un relais qui nous sert pour le feu stop. Et le frein magnétique. Le frein magnétique, voilà, avec les différents modes de réglage, fixe, clignotant ou pas. Donc, suivant les législations en France, par exemple, on sait qu'au 1er juillet, il va falloir que le feu stop reste allumé et non clignotant, comme certaines trottes. Donc là, tout est réglable. On peut tout ajuster suivant la législation du pays concerné. Donc ça, c'est bien. Contrôleur de LED pour les LED esthétiques. Ouais. On a un petit convertisseur de 8 volts à 72 volts qui nous transforme le tout en 5 volts 5 ampères. 5 ampères, c'est pas mal. C'est un petit peu au-dessus d'une Dualtron Thunder. C'est 3 ampères. Ouais. Ça nous permet d'alimenter toutes les LED. Les futurs LED qui sont prévus pour l'arrière. Ouais. Pour l'arrière. Les futurs LED qui sont pré-câblés, exactement. Ouais. Le feu stop aussi est fourni par ce 5 volts. Hein. C'est propre à Weped aussi d'utiliser du 5 volts. Alors, ensuite... On a ces fameux contrôleurs. Hop. Alors on a deux contrôleurs. Voilà. Donc c'est du. On a du 60 volts, 25 ampères. Ce qui nous place dans la moyenne de ce gabarit de trotte. On est légèrement en dessous d'une Curus NF10 et d'une DT3. On est au-dessus d'une Spider, d'une Raptor, d'une Speedtrot. Enfin voilà. Bon après ça reste une inscription, une valeur. C'est vrai qu'on s'est rendu compte que après lors des essais, c'est pas toujours un peu différent. Ouais. Ouais. À voir ce que ça peut donner avec une batterie définitive. On va juste retirer cette plaque là. Ouais, pour voir un peu les amortisseurs. Ouais. Ouais. En effet. Bon alors, qu'est-ce qu'il y a sous cette plaque? Ouh là là. Donc il y a le petit raccord qu'on vous parlait tout à l'heure. Brancher des LED au niveau de ce calepier. Ah oui, la petite prise ici d'alimentation, c'est bien, hein, c'est propre, il n'y a plus qu'à brancher. Mmh. On voit, donc les fameux deux amortisseurs arrière. Alors, on n'en a pas parlé, on en a parlé brièvement. C'est vrai que cette trotte elle est plutôt confortable pour une petite trotte. Toi, tu l'as essayé, tu penses combien, toi? Tu pèses entre 90 et 100 kilos. Ouais, je fais plus de 100 kilos. T'es grand aussi. Je fais plus de 100 kilos. Tu l'as senti s'écraser beaucoup ou pas? J'ai senti super confortable. Mais elle se tassait pas. J'ai pas senti plus se tasser que ça. Bon, après, voilà. J'ai pas vu en dessous la hauteur par rapport au sol. Mais une feuille de papier. Enfin, ce à quoi je voulais arriver, c'était de dire qu'éventuellement, je ne sais pas, je m'avance peut-être, mais on peut peut-être, en serrant un peu plus le ressort, le taré en dureté, permettre d'avoir une trotte un peu plus rigide, et devant et derrière. Voilà, enfin bon, à voir, mais c'est pas forcément un souci pour ceux qui se demandent si la trotte ne va pas être trop molle ou quoi. Bon, voilà. Je veux dire, donc on voit ici, tu vois, ce dont je te parlais tout à l'heure, Jeff, là, donc si l'infiltration d'eau roulant, là, bien au niveau des amortisseurs, c'est pour ça qu'il y a cette fente en bas pour permettre à l'eau de s'écouler, sinon ça ferait une baignoire, quoi. Hein. Ouais, c'est ça. C'est vachement bien fait. Hein. Non, et puis moi, ce que j'aime bien, parce que bon, moi, mes toutes premières trottes, c'était des Ito, il y avait les amortisseurs, il n'y avait pas de protection par en dessous. Ouais, ils en prenaient plein. Ils en prenaient plein la gueule, ils étaient dégueulasses. Ouais, ils devenaient mat, là, tout voilà, c'est ça. Ouais, bien sûr. Ils finissent par rouiller, même, sur c'est les ça. Ito. Ouais, c'est les vis se grippent. Ça s'emboîte, mais c'est top. Hein. En fait, voilà, c'est du CNC. CNC, ça veut dire que c'est taillé. C'est une machine qui usine la pièce. Chaque pièce est usinée. Il n'y a pas de moule. Donc, en fait, elles sont toutes usinées pareil. Donc, les codes sont respectés tout le temps de façon identique. Il n'y a pas de défaut. Toi qui fais beaucoup de mécanique automobile, ça te parle. Quoi. C'est magnifique. Ouais. C'est un peu fait comme un supercar. Quoi. C'est. Ouais. Tout est réfléchi, tout est fait en scène. J'adore, c'est génial. Bon, enfin, elle s'est pas trompée de destination. Elle est arrivée à Charles de Gaulle, à Roissy. Là. Elle n'est pas arrivée à Marseille. Et voilà. Oh, très grand bonheur. Le livreur s'est pas trompé, nous l'a livré à la bonne adresse. la vraie livraison des folles de. Ce sera quoi, Jeff là. On a une idée, Julien? Normalement, c'est dans 3 semaines, 1 mois à peu près. Ouais, c'est ça, 3 semaines, 1 mois. 3 semaines, 1 mois. Voilà, ouais. Alors, je crois qu'il y a déjà pas mal de membres qui l'ont précommandé. Ouais. Donc, il en reste encore une petite quantité. On va aller assez vite. Ouais. On la pèse ? Allez. Allez, c'est parti. Merci. Cyril, combien elle pèse ? Elle est
Je sais pas, 30 kilos 31 kilos. Moi, je pense 35. 35 32 kilos. Attends, voilà. Donc 32 kilos. Donc, 32 kilos, on peut dire qu'il y a 2 à 3 kilos, on va dire du, entre 34, environ 34 kilos, je pense. Ouais. Ah oui, avec la batterie. De chez Whippet. Ok. Largeur de deck. Allez, on y va. On a 17 cm. Voilà. Donc 17 cm en longueur à partir de là. Alors exploitable à partir des pieds, ouais. Ok. Donc sans calepier arrière, hein, bien sûr. On est à 55 cm. C'est énorme. Attends, ouais, c'est je vais mettre de l'autre côté, ce serait très long, moi. Ouais. C'est parti des. Donc 55 cm sans calepier, sachant qu'il y en a beaucoup qui mettent le pied à l'arrière. Bon bah voilà, donc il m'a eu 55 cm, peut-être quoi. C'est très très long. Tu me prends la hauteur du guidon par rapport au deck, s'il te plaît. Ouais. Parce que c'est ce que je cherche souvent. Bah 96, tiens. C'est la taille d'une Thunder. C'est classique à quasi toutes les trottes, quoi. Et maintenant, la hauteur par rapport au sol du deck. Ouais, du deck. Alors, on est à 8 cm. 8 cm. Voilà. Nickel, on va mettre une DT3 à côté. Ouais. Alors, en fait, prendre juste la largeur par rapport à 20. Alors, la largeur du. Cette DT3 est rabaissée d'un cran aussi. Ouais. 27 cm de deck. 27, et la Whippet, c'était combien ? 17. 17, donc il y a 10 cm de plus. Oui. Par contre, en longueur, prendre bien la partie du calepier. Alors, exploitable, 47 cm ici, là. 47 cm. C'est presque 10 cm de moins que la. Que la folie. Bon, après, la DT3, c'était 28 ampères. 28 ampères, ouais. 60 volts, 28 ampères. Ouais. Dans la flotte, il y a 2 ampères de plus avec des cellules 21-700. Ouais. Et elle paraît, elle a un gabarit donc beaucoup plus réduit, je trouve. Affiné, ouais. Elle aura plus d'autonomie avec de meilleures cellules. Bien plus, ouais, beaucoup plus. Je pense qu'elle peut vraiment plaire à ceux qui hésitent à prendre une DT3 parce qu'ils ont peur sur le gabarit qui est un peu trop imposant. Et en plus, elle est confortable. On va avoir une autonomie supérieure. C'est super confortable. On va prendre la Curus. Curus NF10. Largeur de deck, on est à 21 cm. Donc soit 4 cm de plus. Ouais. Bon. Et en longueur de deck. Alors, avant le calepier, on serait à 46 cm. D'accord. Voilà. 46 ici. Bah ici, oui d'accord. 44, parce qu'en fait, il dépasse. Et puis là, si on compte le calepier, je vois 50. 5, ouais. On met le calepier en totalité, on est à 61. Voilà. D'accord. On est, Et là, tu peux prendre le calepied jusqu'à cette partie de la fold. Bah, je peux. Ouais. Et on est à 67. Et 67. Et bon, là, on est au bout 78, mais bon, on ne mettra pas. On ne mettra pas le pied. Et donc, sur la 7 Curus, c'est des cellules 21-700. En 28 ampères au total, pour donc, 60 volts également. Ouais. Donc, encore plus petit que la fold. Ouais. La batterie. Ouais. Combien ça fait d'ampères, les contrôleurs, sur une Curus 27 ampères. 2 ampères de plus. Ouais, donc en termes de performance, comme elle est plus légère, là. C'est possible. La Curus, ça pèse combien ? Attends, la DT3, elle faisait quoi ? 37 kilos, la DT3. 37. On va juste peser 37. La Curus rapidement. Je te tiens la folle. Oula. 10 kilos de plus que la. 42, l'autre, on avait dit 34. Ouais, 34. On a 8 kilos de plus, elle est. Il y a 8 kilos de plus. Il y a moyen qu'elle marche mieux que la NF10 alors. Ah oui. Elle est donnée pour 37 kilos sur les fiches techniques. De quoi ? Ah bah la preuve. La Curus. Des jantes et des pneus PMT. Alors oui, il faut prendre en compte, c'est pas les mêmes jantes. Parce que c'est des jantes spécifiques DT3. Il y a des 1060, il y a des Magora. Il y a quelques 7 kilos d'écart. 5 kilos d'écart par rapport à ça. Il y a peut-être plus quoi. Bref. Bon, on va vous faire le compte-rendu sur ce qu'on pense de cette fold. Tu veux commencer, Cyril, Julien ? Vas-y, Julien, avec plaisir. Allez, fold, petite trotte compacte, agréablement surpris par le confort et la stabilité. Il y a une réelle recherche sur la conception de cette trottinette. On a toujours une trottinette qui n'est soit pas bien amortie, soit pas agréable à l'accélération, soit pas agréable aux freins, etc. On a ou pas assez d'autonomie avec des batteries trop anciennes, etc. On a un condensé de trottinette stable, agréable, avec des vrais amortisseurs, bien réfléchis,
Voilà, une puissance correcte. On a également des freins à tambour. Il y en a qui vont dire que c'est peut-être pas du très haut de gamme, qu'ils auraient préféré des disques. Faut savoir que c'est pas dans l'idée de la Fold. L'idée, c'est de la plier, de la mettre dans un coffre. Donc, voilà, des disques, c'est un peu contraignant. C'est vraiment une autre optique, une autre approche. Voilà. Après, dans les petits bémols, pour moi, je sais pas si vous serez d'accord, ça sera l'électronique qui est employée, le LCD. Ouais. C'est un petit défaut. Un peu vieillot. C'est des anciens LCD, enfin anciens. C'est des LCD de basique qui sont utilisés pour des contrôleurs, voilà, de ce type-là. Et l'interrupteur. Voilà, l'interrupteur, ouais, je pense qu'il faudra le changer pour la mise en route, le coupe-circuit. Ça, je trouve que c'est, voilà, un petit peu léger. Pour moi, c'est les seuls défauts. Ouais. Je trouve Mimi, c'est sûr, pour les vacances, je ne vais pas partir avec ma SSF, hein, je vais partir avec une Fold. De toute façon, c'est une petite trotte, voilà. Très performante. Enfin, vraiment, elle est super nerveuse, elle roule vite. On verra avec la batterie définitive, mais bon, avec une petite batterie, ça marche bien. Les points forts, c'est qu'effectivement, elle est confortable, elle ne guidonne pas. C'est incroyable, à 60, il ne se passe rien, c'est génial, c'est vraiment génial. Il faut vraiment insister là-dessus parce que moi j'ai aussi eu peur. Bien au freinage qu'à l'accélération. Oui, tout à fait. Bien précisé. Moi j'ai eu peur que, de par le gabarit, là, que ça guidonne un peu comme et de la souplesse des suspensions. C'est génial. On avait ce problème sur la Z11X, c'était la décélération que ça guidonnait, voilà. Qu'il y avait des mouvements bizarres. Après, moi personnellement, je préfère les trottes avec des freins à disque parce que c'est quand même plus vif, c'est plus tonique. Bon. Cependant, le frein magnétique existe, on n'en a pas parlé, mais il existe. Ouais. Il marche bien, même très bien, à tel point qu'on l'a redescendu un peu parce que ça freinait trop fort. Moi, je ne trouve pas de défaut à la trotte, à proprement parler. Voilà, à l'usage, il n'y a rien à dire, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de craquement, ça tient bien la roue, ça freine bien, ça accélère bien. C'est ça. Voilà, quoi. Alors moi, j'étais vraiment très très sceptique quand j'ai vu les premières vidéos. On voyait la Fold bleue là. Oui. J'accrochais pas du tout. Et là, avec ce rouge, elle est vraiment magnifique, splendide. Elle est plus belle en vrai qu'en photo et en vidéo. C'est bizarre. Hein, toutes les vidéos qu'on a vues, elles étaient mal filmées, ces trottinettes. Bah, tous les membres qui sont venus là en boutique ces deux derniers jours, ils ont fait la même réflexion. Ah la vache. Ouais. C'est ça la Fold. Je suis d'accord. Donc il y a ça, elle est super sexy. J'adore le confort. Ouais, ça, on peut pas dire. C'est incroyable. Ça, c'est vrai que c'est bluffant. Ah ouais, ça, on pourrait pas croire avec des petits ressorts. Comme rien, ça. Quoi. Moi, ils en ont mis deux à l'arrière. C'est super souple, c'est super agréable. Confort. J'adore la qualité de finition, comme d'habitude. Ouais, bon, ça, c'est propre. Ça, rien à dire. J'avais aussi toujours des petits doutes sur l'étanchéité, parce que, bon, entre ce qu'on voit en vidéo et ce qu'on a en vrai, bon, effectivement, le Karcher, Si je peux me permettre à ce propos, hein, parce que voilà, ça c'est à chaque fois un débat. Alors il faut savoir que les contrôleurs ils sont water résistants, pas waterproof, on va pas les plonger dans un contrôleur de l'eau, mais ils sont water résistants déjà. Donc quand bien même il y aurait trois gouttes d'eau qui rentreraient dans le deck, ça ferait pas de dégâts, il n'y a rien qui va rouiller parce que c'est de l'alu et d'inox, de toute façon on n'a pas de problème. Hormis, effectivement, si en mettant un coup de Karcher on arrive à faire rentrer. De l'eau, un peu d'eau là-dedans, ben, c'est vrai, il n'y a pas péril dans la demeure, ça ne va pas faire cramer quoi que ce soit, le contrôleur, il va pas s'arrêter de fonctionner, la batterie, elle va pas exploser, enfin, je veux dire, il n'y a pas à avoir peur. Hein, voilà. De toute façon, c'est super étanche, après on n'a pas envie de mettre un coup de Karcher, moi personnellement, je ne suis pas très copain avec le Karcher, pour plein de raisons mécaniques, parce que ça fait quand même des infiltrations d'eau forcée, à des endroits où il n'y a pas dû en avoir. Cependant, on peut le faire et il faut s'enlever l'idée de la tête de dire ah oui, mais bon, l'eau va rentrer. Il y a pas de problème. Le Karcher, ouais, c'est vraiment pour le buzz. Voilà, pour ils ont fait ça pour montrer qu'effectivement, ça tient. Donc, on peut rouler, vous allez pouvoir rouler sous la flotte si vous prenez une drache. Bien sûr, il faudra protéger le LCD. Il y a un deuxième défaut que j'ai oublié, moi, c'est l'absence de feu de route. C'est propre au WebEd, c'est l'accessoire super. Voilà, on a les feux stop, la veilleuse qui est super efficace au-dessus de la roue, parce que peu de trottes font finalement, ils sont tout le temps sur les côtés. En dessous, vers le bas.
Et voilà, on a bandé LED sur les côtés. Bon, c'est sympa. Voilà. Alors après, on est à absence totale sur l'avant. Oui, c'est vrai. Ça permet de mettre ce qu'on veut, soit. Mais voilà, le minimum cervical, ça aurait été bien. Sinon, ouais, la droite, elle est géniale. Le système de pliage, bon, au final, j'y arrive tout seul. Enfin, voilà, c'est une petite trotte bien sympa et qui est très, 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 très sexy, je trouve. Oui. Enfin, voilà. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu. Et je vous dis ciao à tous. Bye. Salut.